Garcia. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de m'amuser avec. Fou, je m'ennuie trop. Ouais. Oh, j'ai une idée. Quoi? On va essayer de faire le Yes Man Challenge. C'est quoi le Yes Man Challenge? Non, on dit le Yes Man Challenge. En fait, c'est par exemple, il y a une personne, par exemple, tu lui dis, je peux avoir ça, et il est obligé de te répondre par oui. Oh, viens, vrai. Viens de montrer ça, maman. Mais vraiment, mais non, parce que c'est le but du challenge. Alors, ouais, c'est du droit. Allez, on va aller lui dire. Et toi, viens, petit squelette. Un peu de calme. Maman! Oula! Est-ce qu'on va faire un Yes Man Challenge? Quoi? Un Yes Man Challenge, c'est quoi ça? En fait, c'est par exemple, on te dit, maman, est-ce qu'on peut danser? Et t'es obligé de dire oui. Déjà, qu'est-ce que tu fais avec ce squelette dans les mains? Non, parce qu'il en est avec. Bon, qu'est-ce que c'est cette histoire de Yes Man Challenge là? Parce qu'on a très envie de faire Yes Man Challenge. Mais où vous avez trouvé tout ça? Sur YouTube, sur YouTube. Ah d'accord, c'est un challenge qu'il y a sur YouTube? Oui. Et c'est quoi ce Yes Man Challenge donc? Ben, par exemple, on te dit, viens avec nous dans le jardin et je dis oui. Ah ouais, il faut que je dise oui en fait pendant tout le temps. Pendant 24 heures. 24 heures? Oui. Mais vous êtes pas sérieuse là? Oui. Mais 24 heures, vous savez que qu'est-ce que c'est 24 heures? Oui, oui, une journée. Oui, non mais moi j'ai peur de ce que vous pouvez me demander là. Non, va être gentil, s'il te plaît, s'il te plaît. Et pourquoi vous voulez pas aller vous amuser dehors? Plutôt il fait beau. Non! S'il te plaît. Vous avez fait vos devoirs d'abord? Oui. Ben allez, je sais pas, moi vous pouvez aller faire du skate ou aller non faire. Oh là là, bon d'accord, mais bon, vous avez intérêt à être sage, ne me faites pas des coups de chipie là. Hein. Oui. Bon, ok, oui. On y va pour ce Yes Man Challenge. Ouais. A few moments maman, later. Maman, on oui a trouvé un truc pour le Yes Man Challenge. Oh mon Dieu, j'ai peur, ça commence bien. Ah. Qu'est-ce que c'est? Du trampoline. Du trampoline? Mais on n'a pas de trampoline. Non, mais sur ton lit. Quoi? Vous voulez faire du trampoline sur mon lit? Oui. Non, après, mais ça va pas. Après, c'est toi qui feras mon lit, hein. Mais non, non, mais vous êtes pas sérieuse là. Non, si, vous m'avez dit que vous serez sage, que vous allez demander des choses gentilles. Mais c'est gentil ça. Vous trouvez que faire du trampoline sur mon lit? Oui, mon yes, pauvre petit challenge lit. C'est obligé toi ça. Mon pauvre lit. Bon, ben vu que c'est le challenge, on va dire oui, mais faites attention. Hein. Oui. Allez-y doucement. Hein. Oui. Si vous cassez quelque chose, c'est vous qui réparez. Hein. Allez, c'est parti, allez-y avant que je change d'avis là. Regardez comme il est sale, on va bien jouer. Là. Non, maman, il faut que tu fasses le lit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment vous l'avez rendu mon lit? Si, je l'ai fait, ça avait dit. À chaque fois, tu fais notre lit. Donc, ouais, ben, je vous ai toujours dit de faire attention. En plus, je déteste quand vous faites ça. Hein. Vous en avez bien profité là, vous commencez fort, vous. Hein. Oh là 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 là, non. Bien, là, là. J'aurais pas dû dire oui. Hein. Pouh là là, elle s'amuse et c'est moi qui range comme d'habitude. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Encore? Oh, pitié là, parce que j'arrive à peine à ranger mon lit là. Vous n'allez pas commencer à me dire encore un Yes Man Challenge là? Si! Qu'est-ce qui se passe encore? La Fimo et en musicali. Alors attendez, la pâte Fimo, les musicali, tout ce qui est portable, vous savez que la semaine je veux pas qu'on s'amuse au téléphone portable et aux iPads. Yes Man Challenge. Yes Man Challenge. Mais là vous en fait vous voulez vraiment vous venger de moi là. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire exactement là? Eh ben la pâte Fimo, la musicali. La pâte Fimo et la musicali. Oui. Et après ce sera fini j'espère. Non. Ah ben si là ça suffit là je pense, moi je suis déjà fatiguée là. Bon d'accord, vous voulez commencer par quoi? La pâte Fimo. Ok, mais bon, c'est bien parce que c'est Yes Man Challenge, parce que je vais pas qu'on s'amuse beaucoup pendant la semaine, hein. Je préfère que vous fassiez les devoirs. Hein. Oui, mais ils sont faits. Bon, allez, on y va pour la pâte Fimo. Contente là. Ouais. Et là, depuis tout à l'heure, je viens juste de refaire ma manette. Regarde, j'ai fait ça à faire quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait de beau là? Une petite idée, si tu trompes un cure-dent. C'est un cure-dent ça, ce que tu nous as fait? Non, là c'est une sucette et si tu plantes un cure-dent, ça fait une vraie sucette avec le bâton. Ah oui, d'accord. Et t'as fait ça quand toi ou juste? Ben, il y a même 2 minutes. Il y a 2 minutes, bon, et là tu vas nous faire quoi alors avec là, j'ai fait un donut, pas encore une sucette mais qui s'est un peu mélangée. Ah oui, c'est une sucette à quoi en fait?
Tu sais, t'as à la banane, à l'orange et au chewing-gum. Mmh, miam miam. Et ça, là, c'est quoi, un donut? Oui. Et là, j'ai fait un hamburger. Bien fait. Et ah bah, dis donc. Une barbe à papa. Aussi, il faut mettre un cure-dent, ça fait une barbe à papa. Et là, que t'as été inspirée aujourd'hui, tu vas nous faire quoi le plus? Je crois que je vais vous faire une glace. Oui. Avec des frites. Avec oui. Très équilibré, oui. Oui, avec au dessert une tarte au citron meringue. Miam miam, c'est la préférée. Moi aussi. Ah ben allez, c'est parti, montre-moi un peu ça. Pas de fumeau, je l'avais comme ça. Comme ça, je prépare le M. Oui. Leïla, si elle voit que j'ai réussi à faire tout ça, tu penses qu'elle va dire quoi? Jalouse. Tu penses? Ben. Leïla est déjà en train de se préparer à faire son musicali qu'elle a demandé là. Elle aime que les musicali. Un mini M ou un gros M? Un gros M, tant qu'à faire. Hein. J'essaie de faire un gros M avec ce que j'ai. Comme ça, on va faire comme ça. Ah oui, tu t'en sors bien. Avec ça, je vais couper l'excédent là. Là-dedans, je vais mettre les frites. Et au moins, maman, elle dira que j'ai réussi. Ah, tu m'as fait un menu rien que pour moi là. Ouais. Le M est pas très bien fait, mais bon, c'est pas grave. Et en parlant des frites, tu veux m'en goûter une? Ça a l'air délicieux. Hein. Miam miam, des frites version Asia. Elles sont comestibles tes frites ou pas? Oui oui. C'est le meilleur frite que j'ai mangé de toute ma vie. Et voilà le McDo de Asia en version Fimo. Oh là, Leïla doit être en train de faire son musicali, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais. Tu vas aller le faire avec elle ou tu veux la faire toute, tu veux la laisser faire ça toute seule? Ben, elle va en faire un et après moi je vais en faire un. Alors chacune va en faire un. Oui. Allez, c'est parti. Bon, t'es satisfaite de ton musicali alors? Ouais. Et toi aussi, Leïla? Allo, 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 millionnaire. Ok, c'est meilleur celui-là. Alors, tu vas le publier celui-là? Ouais, je crois. Allez, suivez les chipiguis. C'est bon celui-là, il est bon. Maman! Oh là là, oui, qu'est-ce qui vous arrive encore? Encore une Yasmine Challenge. Oh, c'est pitié là, ça fait même pas une heure là. J'ai même pas eu 5 minutes de tranquillité depuis ce matin. Yasmine Challenge, c'est Olivier. Ouais, ben la prochaine fois, je ferai mieux de me taire. Hein. On part. On part? Ouais, au magasin. Non, vous êtes sérieuse là? Aujourd'hui, c'est les Ah, vous voulez me ruiner en plus. Alors, vous m'avez fatigué, maintenant vous voulez me ruiner. Question habits, accessoires, chaussures, parce que moi je vous connais très bien. Jouer. Et jouer, encore pire, oui. Oui, j'ai joué bien. Vous savez, les filles, Noël, c'est passé. Hein.
Non, mais il y a des soldes. Il y a des soldes. Aujourd'hui, c'est les soldes. On est mercredi, maman. Oh là là, ça m'apprendra à avoir des filles, tiens. Bon, ok, on y va. Mais vous êtes sages, hein? Oui. Vous avez pitié de moi, hein? Non. Allez, c'est parti pour les soldes. Bon, vous êtes prêtes, les filles, alors, pour votre sortie? Oui, mais maintenant, on a envie d'avoir un chewing-gum. Ah, vous voulez encore un chewing-gum avant de partir? Oui, mais challenge. Est-ce que c'est une blague? Non. En fait, vous voulez me faire regretter ce challenge, vous? Non, c'est parce qu'on profite. Et toi, tu comptes passer la journée avec ce squelette, là? Ben, c'est mon chéri. C'est ton chéri, le squelette? Ouais. Eh ben, dis donc, t'as bien choisi, hein? Il ressemble à moi vu que je suis fine comme lui. Merci. Merci. Regardez, ça la main typique, hein? Chin. Oh là là, vous allez me fatiguer, me ruiner à la fois aujourd'hui, je le sens. Il y a des petits trucs. Bah allez, on met les ceintures là, on est les filles, vous êtes attachées? Non, attends. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Avant d'aller faire les soldes, encore Yes Man Challenge. Oh là là. J'allais faire du skateboard. Oh pitié, Asya, il y a du vent en plus. Est-ce que t'es sérieuse? Oui. Mon dieu, mais vous êtes jamais fatiguée en fait. Vous voulez faire les soldes, vous voulez faire du sport, vous voulez tout faire en même temps. Bon, vous voulez faire les soldes ou d'abord le skate? D'abord skate. Allez, c'est parti pour le skate. Est-ce que t'as pris ton skate d'abord? Bien sûr, question bête, hein? T'as oublié ton casque. Ah ben non, mais y a pas de skate sans casque, hein? Donc va chercher ton sac et ton casque. Leïla, elle est pas là. On va partir sans elle. Merci. Bon, tu dis merci à ta soeur quand même d'y avoir pensé. Mon chéri, reste avec moi. Bon allez, c'est parti pour le skate alors. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent et au skate park il y a beaucoup de grands, donc on sera plus tranquille ici. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Musclé. Ouais. Allez, c'est parti. Ça, j'aime trop. Des paillettes. Maintenant. 18 ans, ça. Hein? C'est du 8 ans. Mais c'est pas grave. Ça va, Dan. C'est du 8 ans. Non, c'est du 8 ans. Ben ça c'est un peu trop petit pour toi, j'ai l'impression. Moi c'est du 7 ans. Mais du 7 ans, il faut que tu prennes du 8 ans. C'est un peu trop petit, non. Ça. Non, c'est pas. Regarde, s'il n'y a pas ton âge à la rigueur. Ah mais là c'est du moins. Moi je fais des salopettes, tu m'en manges long, comment je peux le mettre en hiver? Ah oui, d'accord. Ouais. Il est beau celui-là. Ouais. Mademoiselle. Non. Non. T'aimes pas celui-là? Ah si. Ben, je sais pas, regarde. J'ai cru qu'il était tout bleu. Cette veste, elle est bleue. Et tu mets une 8 ans. Ça, c'est du 8 ans, ça? Ça a l'air grand, hein, pour du 8 ans, quand même. Non? Tu trouves pas? Ouais, je crois que c'est comme du 6 ans. Du 7 ans, ça va ou pas? Parce que je te manque chelou. Mais ça, c'est trop petit pour toi. Ah. Et oui. Il y a du 8 ans, du 6 ans, du 7 ans. Ben, je pense que prendre du 7 ou du 8 ans, oui. Ouais, il est là, le 8 ans. C'est là. Mais elle m'a l'air grande, hein. On prend moi à elle. Ben, au pire des cas, tu l'essaieras. Ouais. Elle est soldée. Déjà, j'ai pris 3 habits. Mais elle est tordue, elle va pas prendre tout ça. Ben, elle fait les soldes, hein. Regarde. Ah ouais, le pantalon il est original celui-là, ouais, avec les paillettes. Ouais. Allez, il est soldé. il faut les essayer quand même. Et regardez la taille aussi, Leïla. Ah non, ça fait du 5 ans. Tu peux trouver de la bonne taille là où il faut. Là, des noirs, t'en as déjà. Hein. Non, il est craqué derrière, c'est bien. Non, mais ah, Leïla, là, c'est assez, je trouve. Hein. Parce que Dieu, t'en as pris 4 habits, moi. Tu as mis des trop belles. 2. C'est quoi comme taille?
Je sais pas. Ah, faut que quelqu'un me tienne ça. Bah alors, les filles. Je crois que je vais tout poser pour que je les arbres. Est-ce que elle, c'est plus grand? Ben, c'est la même, hein, mais regarde la taille. Hein. Ça, je sais pas où c'est la taille. Ben, la taille, elle est là. Là, c'est du 5 ans. 5 ans. Là, du. Ça, c'est du 4 ans. 4 ans. Oh, tu vas voir, ça fait du 5 ans. 5 ans, mais c'est trop petit pour toi, ça. Ouais. Je vais prendre un autre. J'ai tout reposé parce que ça faisait du 4 ans, du 5 ans ou du 10 ans. Donc, tout reposé, je vais changer de choses. Parce que moi, je fais du 7 ans, des fois, il n'y a pas trop de choses. Ouais, là, c'est compliqué la vie. Là, c'est les trucs du 7 ans. Voilà. Et toi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Que des pantalons, hein? Bah, t'as deux noirs, deux gris, et ça c'est quoi, une salopette? Oui, mais il y a des vestes là-bas. Là-bas, il y a des vestes. Ouais, là-bas. Mais là aussi, vous avez des trucs là. Mais en veste. Oh, c'est rose. Oh là là, il fait du calage. Lui, il est beau, moi j'aime bien ton dernier là. Même si c'est du 10 ans, mais bon, on va essayer de voir si c'est pas ta taille. Hein. Alors ça y est, vous avez fini vos soldes les filles? Ouais. Alors montrez-moi un peu ce que vous avez acheté. Leïla, tu veux que c'est moi qui présente? Oui. Alors on a eu un pull. Oui. Girl of the future, tu sais ce que ça veut dire? Girl, ça veut dire fille. Oui. Art future. Future, ça veut dire futur. Non, bah, forcément. Te, ça veut dire the. The, ça veut dire les filles sont le futur. Ah ouais! Mais oui! Ensuite, qu'est-ce que tu as pris de beau? Ensuite, on a eu un pull comme ça. Oui. Trop beau. Et comme donc, ça, tu comptes que tu l'as pris. Il est trop beau. Oui. Mais Lily, je crois qu'elle va adorer ce qu'il y a des. C'est bleu, blanc. Oui. Ensuite, on a eu un pull. Ça, c'est surtout pour Lila. Avec les petits cœurs, ben oui. Avec des sequins, comme ça. Oui. Pour Leïla. Ben voilà. Dis donc. Hein. Bon, ça va encore, vous n'avez pas fait beaucoup de folie. Enfin, faut dire que vos tailles, forcément, des fois c'était bien, mais vous n'avez pas votre taille. C'était soit trop grand, soit trop petit. Hein. Et après, je vais vous dire, ça c'est à qui, ça c'est à qui. Ça, ça c'est un jean gris. Oui, basique. Le temps, essayez de deviner c'est qui a... Qui appartient quoi. Ça va pas être compliqué. Et la chemise, bien sûr, à carreaux. Alors ça, j'imagine bien. Je sais pas du tout à qui c'est. Bon, on va commencer celle-là. Elle est à moi. Oui. Le jean, il est à moi. Oui. Le pull, il est à Leïla. Oui. La pull, il est à Leïla. Et ça, c'est à moi. Bon, ben ça va. Ben, j'espère que là, maintenant, ça suffit avec ce Yes Man Challenge. Non. A few moments later. La, 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 la. Ah si, j'ai faim. Ah ouais, moi aussi. Viens, on va avoir un quiz. Ah ouais, viens, on va demander à maman. Oui. En plus, vu que c'est le Yes Man Challenge, elle va dire oui. Maman, on peut avoir un quiz. Quoi? On peut avoir un quiz. Comment ça, comme vous avez fait? Oui. Mais je suis en train de faire à manger là. Non, trop tard. Pas trop tard. Mais trop tard, on a envie d'avoir un cook, oui. Et c'est maintenant que vous me le dites? Oui. Non. Mais vous avez vu l'heure qu'il est, je vais aller chercher un cook à cette heure-ci quand même. Si. Si. Ben non. C'est les 19h. On mange un cook demain si vous voulez. Non. C'était pas celui. Ben oui, je fais à manger. Alors je vais faire quoi après que... Yes, my challenge. Ah oui, d'accord, vous le prenez comme ça vous? Hein? Oui. Ah, vous me faites des plats à cette heure-ci? Oui. Pour que tu gaspilles plus de l'argent. Bon, vous voulez manger où votre cook? Ben à la maison. En plus, il faut que je me déplace, que je vous le ramène à domicile. Oui, allez. Moi, j'ai envie d'avoir un Giant et Assez va prendre un long push. Avec Coca pour moi, Leïla, il faut du iced tea et des frites. Et au dessert, une glace au caramel pour tout le monde. Ah, vous n'avez vraiment pas honte de chez Pille. Non, on a pas. De faire ça à moi, à cette heure-ci. Ouais, non, mais franchement, hein, ma vengeance sera terrible, fille. Vous le savez. Mais non, parce que c'est oui, c'est pas ta chaise. Bon. Allez, c'est parti, ok, ben oui, ben je suis obligée de dire oui, vu que c'est le but du jeu. Ah, merci. Mais je peux vous dire que je déteste ce challenge. C'était qui? Eh ben, pas nous.
Assez. 24 heures, c'est bientôt fini. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Oh, les chocolats que maman, elle veut pas qu'on prenne. Ah oui. Maman. Oui. On peut avoir des chocolats que tu veux pas qu'on prenne. Chocolat de Noël. Moi, je veux pas que vous les preniez. Non, mais c'est encore le challenge. Non, mais vous plaisantez ou pas? Vous venez de prendre votre petit déjeuner là? C'est pas le moment de manger des chocolats. Et si? Ah, mais non, vous allez manger à 4h si vous voulez. Non, c'est semaine challenge. Non, mais attends, c'est encore 24h challenge là? Ouais. Mais c'est bientôt fini. Non, c'est bientôt fini. Ben ouais, parce que là on a commencé hier matin et là on est le lendemain donc. Reste un peu de temps. Bon, ok, mais c'est le dernier challenge là parce que c'est bientôt 11h. On a commencé hier à 11h et là c'est 11h. Donc c'est le dernier. Il est 10h30, 10h40. Bon ok, mais juste un, hein. Oui. C'est trop bon, preuve, parce que moi je prends celui-là. J'espère que maman nous laissera faire encore un. On a forcément un challenge. Le chocolat aussi bon. Du moins. Peut-être on va en prendre un. Après. Même si c'est fini, on va demander encore un dernier truc avant là. Trop bien. Maman! Oui! Est-ce qu'on peut avoir un dernier? Non, mais vous rigolez, ça y est, 24h challenge, c'est enfin terminé! Non, on a commencé à 11h! Non, non, ça fait 24h pile poil, hein, c'est la règle du jeu! Hein. Ah non, non, moi j'ai subi avec vous, donc j'aurais jamais dû dire oui d'ailleurs! Et en plus de ça, j'ai regardé un peu votre 24h challenge sur YouTube! Il y avait aussi, vous dites oui à tout pendant 24h, mais ça vous me l'avez pas dit! Hein. Mais je pense que ça, je vais m'en servir pour me venger de tout ce que vous m'avez fait. Vous avez osé toucher mes chocolats préférés de Noël. Non. Vous avez pas de pitié, les filles. Un petit câlin, c'était un câlin et un bisou. Ah, c'était pour ça? Oui. Vous êtes sûre? Oui. Comment ça s'est passé? Alors, c'est bien la fin de cette vidéo, mais avant, on aimerait faire une dédicace à Manel92 et Manel. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à nous mettre plein de gros pouces bleus et la partager au maximum. Et surtout, abonnez-vous. On fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous les wiz.